La France tombe toujours plus bas. Notre système politique est à bout de souffle. Le miracle, c'est que la France tienne encore debout. Pourquoi ? Grâce à vous. Vous, toutes les Françaises et tous les Français que j'ai rencontrés depuis 2012, en métropole et en Outre-mer. Vous, agriculteurs, entrepreneurs, ouvriers, médecins, enseignants, jeunes créateurs d'entreprises. Vous tous qui vous battez tous les jours pour que la France continue de tenir debout. Vous m'avez impressionné. Je mesure votre soif de renouveau. Et le choix de la primaire, il est bien là. Si vous voulez que tout continue comme avant, eh bien vous avez tout ce qu'il faut sur ce plateau. Mais si vous voulez que cela change vraiment, alors choisissez le renouveau. Le renouveau est une urgence vitale pour notre pays. Le 7 mai 2017, le renouveau va gagner et cela ne dépend que de vous. Certains ont choisi le conservatisme, c'est leur droit. Je choisis une droite de progrès qui aime la liberté et l'audace. Certains plaident pour une droite chimiquement pure. Je plaide pour une droite alliée au centre, une droite ouverte qui rassemble. Une nouvelle société est en train de naître. Je veux donner à chacun d'entre vous les moyens de conduire sa vie comme il le souhaite. Je veux accompagner le changement pour qu'il profite au plus grand nombre. Je veux avec vous construire la nouvelle France qui ne dit pas « c'était mieux hier » mais qui annonce « ensemble, nous ferons mieux demain ». Mes chers compatriotes, dès 1995, nous voyons que la crise frappait la France très durement. Souvenons-nous de la fracture sociale. Il est simple, restaurer l'autorité, libérer le travail, développer le numérique et troisièmement lutter contre le communautarisme. Et pour finir juste là-dessus, mon idée elle est simple pour les cinq années qui viennent, réarmer la France sur le plan sécuritaire, économique, patriotique pour entrer dans le 21e siècle. C'est ce que je veux partager avec vous ce soir et je suis heureux de pouvoir vous le dire. Choc migratoire sans précédent, chômage de masse, la plus forte imposition d'Europe. J'en tire la conclusion que l'alternance doit être forte, énergique, immédiate, concrète. C'est le seul moyen pour que la France redevienne la grande nation qu'elle est et que les Français se disent « il y a une chance pour nous de lutter contre le déclassement, c'est-à-dire que nous vivrons mieux, que nos parents vivaient avant nous et que nos enfants auront une chance de vivre mieux que nous. » Des réponses à la fois concrètes et je l'espère efficaces. Voilà pourquoi, dans l'essentiel, je suis candidat à la présidence de la République. Qui empêche les Français d'aller au bout de leurs projets, d'aller au bout de leurs rêves, qui les bloque dans leur vie, notre pays est en train de se défaire. On va avoir besoin de courage et de vérité. Les Français retrouvent la fierté dans leurs dirigeants et qu'ils puissent retrouver la foi dans leur avenir. Thank you.
Thank you.